Bonjour tout le monde, bienvenue, ici DJ Ike, vous êtes sur Iva Sound Studio. Et si vous ne le savez pas encore, Iva Sound Studio, c'est une petite association de la région toulousaine. On fait certes du jeu vidéo, mais du jeu vidéo pour se faire plaisir, mais aussi qui sensibilise un peu. Je vous invite à voir les diffusions précédentes, les VOD précédentes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Mais aussi, on fait un peu de radio et d'autres choses autour du socio-pro. Et pour ça, si vous voulez qu'on en discute, déjà visitez le site et rejoignez le Discord. Et on se fera plaisir de répondre à vos questions. Pour ce samedi après-midi, il faut poursuivre l'aventure Shantae and the Pirate's Curse, la malédiction des pirates, que j'ai commencé il y a quoi, 2 jours maintenant, quelque chose comme ça, c'était jeudi, vu que c'était férié. Je suis un peu à la bourre ce samedi, je le reconnais, j'ai eu beaucoup de choses à penser. Mais let's go, c'est parti. Et en plus, il faut que je vous dise des trucs sur Shantae. Donc on y va, on commence. Il faut y aller. Hein. Alors, première chose, vous voyez en haut à droite, oui, c'est la droite ça. Le compteur de monnaie, d'argent, est à 709, alors qu'il était à 2 la dernière fois. Je me suis permis d'aller fermer en off l'argent pour aller acheter des améliorations. Je n'ai bien sûr fait en off que fermer l'argent, parce que c'est long, l'argent. C'est parti, allons acheter des améliorations. Bonjour monsieur le marchand. Je voulais acheter... Alors ça par contre, on a acheté ça la dernière fois, le méga coup de pied. Je vous avoue que je ne sais toujours pas comment on s'en sert. J'ai pas trouvé le bouton. Donc tant pis, c'est pas grave. Mais il faut acheter tout ça là. Donc on va acheter du shampoing. Dédicace Nabila. On va acheter un après-shampoing. Dédicace Nabila. On va acheter une mise au point pistolet. Dédicace à personne. Hein. Voilà. On revérifie. Je crois que j'ai aperçu que le pistolet était au max. Ça, c'est cool, ça. Le pistolet est au max. Il restera le shampoing et l'après-shampoing à mettre à 300. Et peut-être que c'est le maximum. Peut-être pas, j'en sais rien. C'est pour upper les dégâts et upper la vitesse de dégâts. Donc, ça, là. Ah oui, ça va déjà beaucoup plus vite, en effet. Donc ça, c'est pour taper. Je tape avec des cheveux, c'est magique. Ça, c'est le pistolet. Oh, il est violet. C'est joli. Ça, c'est pour sauter. Il y a un dash quelque part, un dash inversé. J'ai toujours pas le bouton du coup de pied. Ça, c'est pour aspirer la malédiction des pirates. Voilà. Où est le coup de pied? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est le coup de pied. Alors, le bouton moins de la Switch, c'est pour la pause. Le bouton plus, donc ce qui correspond au start, c'est l'inventaire. Des choses importantes. Et... grand coup de pied, c'est écrit là, dis donc. Appuyez sur A en maintenant sur O pour réaliser un coup de pied puissant. Donc A et O. D'accord. Je ne savais pas. Et ça, c'est la carte. A et O. Attendez, c'est quoi le bouton A? C'est ça. Magnifique! On sait comment faire des coups de pied, trop bien. Parfait. Maintenant, on va voir le sultan. Le sultan, il nous avait demandé des choses à manger. Il change tout le temps d'avis sur ce qu'il veut manger. J'espère que qu'il a toujours envie de la même chose. Parce que oui, durant le farm de la monnaie, involontairement, j'ai farmé... c'est où? De la viande et des sucettes à la viande. Voilà. Je n'espère manger jamais des sucettes à la viande. Rien que le nom... Alors, bouton A. J'ai entendu des rumeurs au sujet du Pirate Master. Brrr, j'ai dû refouler complètement ces souvenirs horribles. Il me faudrait 9 sucettes à la viande pour me calmer les nerfs. Mais je crois que j'en ai 9 tout pile. Tu en as pour moi? Oui. Merci, voilà 50 gemmes. Ah. J'ai entendu blablabla. 9 sucettes à la viande. Mais j'en ai plus là du coup. Bon, la prochaine fois, je pense qu'il me demandera autre chose. Tac, tac. Maintenant, on va revenir un petit poil en arrière. On va sauvegarder. Et avant d'aller dans la prochaine zone, on va faire des choses que... On va visiter des choses déjà visitées pour aller chercher des poulpes et peut-être des chauves-souris que je peux potentiellement de nouveau... enfin, voir, on sait à peu près où sont les choses, mais on ne pouvait pas y accéder. Maintenant, je devrais pouvoir y accéder. Donc c'est parti. Une poussière dans l'œil, ça commence bien. Pas grave.
Ah oui, le pistolet il fait 5. Et ma chevelure elle fait combien maintenant? 7, d'accord. Ah tiens, il y avait un cœur gratuit là. C'est quoi ça? Ah oui, la citrouille. Laisse les citrouilles tranquilles. Tac. Hop hop hop, on se calme. On recule. On avance. Voilà. Non, c'est pas grave. Sauter, c'est B. Hein. Voilà. In. On continue. Deux kills. Et là, normalement, il y a un poulpe pas loin. Ou c'est après, peut-être. Non, je crois que c'est après. Vite, 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 vite. Voilà, c'est bon, il a pas lancé. Alors, où est-ce qu'il est, le poulpe? C'est après? Oui, c'est par là, il me semble. Hop là. Attends. J'adore la coupe de cheveux. Une boule à pointe. Mon dieu, je prends un dégât pour rien. La gratuité. Voilà, c'est ici. C'est ici, il faut que je saute. Allez, dégâts pour rien de nouveau. 1, 2, 3. YOLO! Hop là, le calamar. Ça c'est fait. Du coup, ça fait un calamar. Il y en avait un dans les égouts que j'avais pas récupéré, que je devrais peut-être pouvoir récupérer maintenant. Hop là, je récupère un cœur au passage. Et il me semble qu'il me manque la chauve-souris. Je pense qu'elle est dans la forêt, en vrai. C'est un pirate chauve-souris, mais j'ai le nom, j'arrive pas à le dire. C'est pas ça la chauve-souris, j'y pense là. Non, non, c'est pas ça. C'est encore autre chose. Ça ressemble plus à un Pokémon. Mais c'est pas un Pokémon. Parce que c'est pas un jeu Pokémon, c'est un jeu champagne. Logique. Viens là. Voilà. Il va plus nous embêter longtemps. Par là, YOLO. Voilà, c'est ici. Par là, il y a quelque chose. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Attention, attention. Voilà, et d'une. Je sais plus s'il en manque une ou deux. En vrai, je m'en souviens pas. Tac, tac, tac. Ta voix à 2 secondes d'avance sur l'im. Mais non. Mais j'ai tout fait bien. On va tester. Attendez, il va y avoir un petit écho. Sauter. 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 Ok. Je refais, je crois que j'ai mal capté le problème là. On va faire comme ça. Je tire, je tire, je tire. Ouais. Bon, je finis juste la phase que je voulais. Et bah je relance le stream, ah, tant pis. Hein. Désolé. Punaise, mais tout fonctionnait tout à l'heure. Ou alors je me force à ce que la voix volontairement soit en retard. Donc là, ça va être du brain cerveau. Ça du brain cerveau. Oh non! Et là, du coup, j'ai raté mon brain cerveau. Attention à l'araignée.
Alors ce cas la marche, je sais pas comment je vais la voir. Hein. Pas du tout. Forcément dans ces parages, mais où? Pas sur la droite, je dois forcément sauter à gauche. Mais j'ai rien de plus en hauteur, je crois, en fait. Ça se voit pas. J'ai failli me prendre une araignée. Ça se voit pas un tir d'araignée. Ça se joue à pas grand chose en vrai. Je fais ça, YOLO. Non, là c'était très très nul. Sauter. Bon, on poursuit. Vous voulez aller aux égouts, il va falloir donc aller aux égouts. Alors, les égouts. Tu prends des dégâts pour rien. Tu verras pas mal de sucettes. Je dirais pas, je pense, pour le temps. On est 4. Alors, où est-ce que je devais aller déjà? Ok, le rat, c'est fait. Il y avait un passage quelque part, je sais plus où il est. Ah, là, ici. Je l'avais déjà fait. Mais... Non, sérieux? Ah, mais... Je crois que je l'avais déjà fait, en fait. What? Allons-nous-en. On va retraverser la forêt et faire attention aux ennemis, quitte à faire un peu d'argent au passage. C'est toujours bon à prendre. Lui par contre. Comment est-ce que je vais avoir ce cœur? Je ne sais plus. Comment traverser le niveau sans prendre un dégât? Salut papy. Ouais, je m'en occupe. Je voulais juste faire ce petit bout là. Et promis, je relance le stream et on va voir comment ça se passe. C'est ça que je me dépêche.
pas ça gêne. Pour ça, on doit aller dans le bain. On va en profiter pour acheter des items. J'ai pas un truc à faire là au fait. Si. J'aurais pu faire ça de suite. Allez madame, donne-moi un cœur. Nickel. Un cœur supplémentaire. Le marchand. Et on va augmenter les cheveux. Ah bah d'accord, c'était max. Okay. Il manquera juste 300 pour la prochaine fois. On va save. Et je reviens. Hop là. Il me semble que t'avais déjà le décalage au premier épisode qui était fait sur ce jeu. Non, non, il n'y avait pas trop de décalage. J'avais vérifié ça. Je reviens du coup à deux. Voilà. YouTube, ça va être recollé. En fait. Donc YouTube a dans une seconde. Allez, on y retourne sur Chantail et la malédiction des pirates. Après tous ces longs soucis techniques, en espérant que ça tienne le coup. Je prie pour que ça tienne le coup en vrai. J'ai un peu beaucoup galéré là en vrai sur les réglages techniques. Je voulais faire quoi déjà? Oui, si, ça y est, je me souviens. On sort de cette zone et on va aller sur l'île qu'on a déjà faite. Donc Scuttleton, il me manque un poulpe. On sait où est-ce qu'il est. Je ne sais pas comment l'attraper. Il manque encore deux chauves-souris. Je ne sais absolument pas où elles sont en fait. Donc voilà. Rue Arc-en-Ciel. Je voulais retourner où? Oui, je voulais retourner à l'île Salive. On va essayer de faire ça vite fait. Pour avoir le dernier poulpe manquant. Oula, j'ai failli me planter là. Et tant qu'à faire, on essaye d'avoir un peu de monnaie. Comme Lisa, monnaie. Mauvaise ref, à mon avis. Voilà, ça c'est fait. Le poulpe, je pense savoir où est-ce qu'il est en vrai. Il est. Quand il y avait les 4 piliers hier. Avant-hier, pardon. Oh là là. Quand il y avait les 4 piliers. Non, pas là, c'est en haut. C'était les piliers en haut à gauche. Parce que j'y avais pas accès. Maintenant, je devrais y avoir accès. Une sorte de chapeau volant. Oh, punaise! Vas-y, tire. Voilà. Oh bah, m'a mis là. Okay. On récupère l'argent. Voilà, là, on va s'amuser. Là, c'est la dextérité, là. Je vais arrêter rapidement. Non, je me suis raté. Non, pas encore. Non, chantez vite. Non. Chantez. Oh, punaise, je me suis raté. C'est beaucoup mieux. Ah, ça me rassure. Merci beaucoup. J'ai galéré, vraiment j'ai galéré. J'ai redémarré deux fois l'ordi. J'ai changé le matériel. La Switch a redémarré au passage, c'est tant qu'à faire, c'est toujours bien. Alors c'était là. Et vite vite, le chapeau, ça passe. Oui ça passe, parfait. Et ici on n'y était pas du tout allé. Donc, oh mon dieu. M'amuser là.
Non, 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 non. J'ai mouru. Je retombe où? Ici, d'accord. Vas-y, tire. Mais... pardon. Non mais... est-ce que je le touche là, du coup? Non. Et là? Yes. Nickel. Vas-y, tire. Allez. Ah non, elle veut pas. Viens là, toi. Un calamar. Un calmar, d'ailleurs. Je sais... Il y a les deux façons qu'ils disent calmar et calamar. Moi, j'aime bien dire calamar. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez obtenu du morceau de viande. Bah, il saute. Je descends. Il y a ça qui va m'embêter. Mais je vais mourir en fait. Oh là là. Oh, oh. Voilà, ça suffit. Le cœur. Et on va au-dessus. Il y a du peuple. Carte. Je sais pas où est-ce que ça permet de redescendre. Non! Idiot, bête. Et d'une. Deux. Et de trois. Et là, on va essayer de s'en ficher. Ah bah tiens, je retombe ici. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait? Je peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Sérieux? Attendez, le coup de pied c'était AO. Bah. Alors ça. Eh bien, je ne sais pas. Là, je reconnais. Je ne sais pas. Donc, on sait désormais que je peux accéder là. Mais comment l'ouvrir, non c'est. Là, vraiment, non c'est. Génial. J'adore. Je fais comment maintenant? J'ai quand même perdu un quart de cœur. Oh, punaise, non! Faut que je recommence. Et je recommence loin, très loin. Je recommence dans la ville. Oh, punaise. Il va falloir récupérer le calamar poulpé. Bon, on va juste récupérer le cœur, du coup. Et tant pis pour le sarcophage. On sait qu'il y a un sarcophage, on sait qu'on peut y aller. Tant pis, c'est pas grave. Oui, d'accord, prendre des dégâts gratuits. Bien sûr, je perds l'argent gagné au passage, sinon c'est pas drôle. Bizarre que t'arrives dans une impasse. Ouais. Mais je pense que plus tard, j'aurai peut-être un nouveau sort, un nouvel objet qui me permettra d'ouvrir des choses, de sauter plus haut. Hop là. Enfin, des choses du genre. J'y arrivais, ouais.
bon, j'ai perdu le caillou. Pardon. J'ai perdu le. Faut que je regarde plus la map. C'est là ? Je crois que c'était par là. Ah oui, c'était au-dessus des statues. Donc c'est par là. Vas-y, tire. Voilà. Tac. Tac. Allez, on se casse. Et de pas tomber. La chaîne. Tête de statue, chapeau. Hop là, plateforme, parfait. Faut monter maintenant. Je peux les tirer ça ? Et non. Qu'est-ce qu'elle fait la sirène ? Elle se cache, parfait, ça m'arrange. Lui, on avait dit que du coup on pouvait la voir. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Lui, on prend le calamar en cœur. Allez, on s'en va. Et un bouclier bulle et on se re-en va. C'est très français. Là j'ai ce que je voulais. Ah mais du coup tout est full ici sauf l'espèce de sarcophage. Et là je ne sais plus si il y a un poulpe, je sais où il est mais je n'ai jamais compris comment l'avoir. Et l'autre en vrai, je sais pas. Et la chauve-souris, je ne sais plus non plus. Donc, avant de partir dans le désert, petite sécurité. La régène. Et là, sauvegarde, évidemment. Attention. Bonjour, papy. Bien, maintenant partons dans le désert. On se souvient que dans le désert, il y a Musclor. C'est dans le désert. Il y a, au niveau du palais de Scuttleton, il y a Musclor. Il nous disait : mon dieu, j'ai perdu mon épée, tout ça. Allez dans le désert, mais j'ai trop chaud, je peux pas y aller. Donc, on va récupérer. Donc, 4 poulpes, 4 chauves-souris. Pardon. Si on en croit la carte, c'est l'île Bronzette. Il fait chaud, sans blague. Ne te laisse pas distraire, très bien. Ne te laisse pas distraire par la forte chaleur, il y a un repère du mal ici. Trouve-le, détruis-le, sans plus attendre. Je vais jeter un coup d'œil. Laisse-moi faire. Et si tu te sens maudite, couche-toi sur le dos et applique une serviette humide sur ton front. Voilà, c'est le conseil très utile hein, si jamais vous vous sentez maudit. Où est-ce qu'elle trouve l'énergie pour être tout le temps heureuse? C'est dégoûtant. Let's go. J'aime bien les phares en mode... Regarde juste en arrière. Les phares comme ça, orientaux. Je trouve ça très joli. Ça change des phares classiques. Alors. Pour l'instant, ça me fait penser à un niveau de Aladdin SNES Mega Drive. Pour les gens qui ont connu. C'est gentil ça? Ah non, c'est pas des gentils du tout, non. Par contre, les ennemis qui balancent des pics, vraiment pas fan. Mais vraiment pas fan. Ça là, ça j'aime pas ça.
Pourquoi ils explosent? Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, juste des archers. Archers. Là, on est plus dans un décor à la Metal Slug, encore une fois. Hein. J'aime pas cette chose. Ça lui fait des dégâts au moins. J'ai l'impression que. Quand elle se met en. Voilà. Quand elle se met en. Comme ça. Là. J'ai pas les mots. Alors, on pourrait aller à droite, je pense, quand même. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien un ennemi, punaise. Il avait l'air mignon, en fait non, c'était un ennemi. Là il y a un truc là. Là il y a un truc en bas là. On peut monter sur les palmiers? Non. C'est quoi ça? Waouh, il y a un géocache ici. Il y a un petit message. Quelle trouvaille. J'amène cette vieille momie à la fille. Attends une minute, c'est pas le truc de l'île Salive ça? Signé le père de Sky? Et c'est daté d'aujourd'hui? Mais qu'est-ce que... C'est le bout de... Il me semble hein. On a déjà lu... Ils servent pas à grand chose les pauvres. Ah, c'est une sauvegarde, pardon, j'ai tiré sur le monsieur, pardon, excusez-moi monsieur, veuillez m'excuser. Ah, l'énigme, trop bien, j'aime bien ces machins là, on verra ça après, du coup. Il doit y avoir des réponses ailleurs. Oh, le retour, Grumpf. Hey Squid Baron, qu'est-ce que tu fais ici? Mes vacances sont gâchées. Oh, je vois. J'étais venu ici pour me relaxer. Pour sentir la brise de l'océan sur mon visage et observer d'un œil feignant le désintérêt des beautés s'appliquant copieusement l'une l'autre de manière pratique de la crème solaire sur le corps pour se protéger du soleil. Sniff. Des rayons ultraviolets. Oui. Mais je ne savais pas que c'était hors saison. La seule vue à cette période de l'année, ce sont des personnes âgées et des scorpions. J'abandonne. Je vais me retrouver à acheter une superbe et gigantesque maison dans les parages avec un beau paysage gravillonné à ce rythme. Je ne te laisserai pas faire ça. Un peu de courage, il y a forcément quelque chose de formidable qui t'attend, quelque part. Un truc cliché comme une dame calmar, célibataire et seule. Tu as peut-être raison. Si je ne reste pas ici, alors tiens, prends ces lunettes à rayon X. Tu n'en aurais pas besoin, je pense. Utilise-les pour voir à travers les choses si tu en as envie. D'accord, bah maintenant j'ai des lunettes à rayon X. Génial, je suis content. Au revoir le calamar. Très bien, et je m'en sers comment en fait? On doit pouvoir voir à travers n'importe quoi. Ah, c'est juste un item comme ça, très bien. Ça ne dit pas quel est le code ici. Je ne sais pas. Je laisse ça pour le moment entre parenthèses, cette énigme. Je continue d'avancer pour l'instant, c'est de la visite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rats, c'est des loups. Arrêtez de m'interrompre. Le chef que ces vieilles ruines disparaissent. Mes hommes en auront pour une éternité à ce moment. Nos ancêtres de l'île Salive n'ont jamais eu autant de mal. J'ai pas vu de créature comme ça sur l'île Salive, vous m'excusez, mais... Et je sais comment. Je pense que tout ça va être amené à disparaître. Là,
fait de savoir comment. Alors attendez, comment je fais pour utiliser les lunettes? En vrai, je ne sais pas. Je ne sais point. Ça j'ai dit, on laisse tomber pour le moment. Et on va retourner en arrière. On sauvegarde, on a les lunettes. On va retourner en arrière. Il y avait un passage vers le bas. À rien. Punaise, les dégâts qu'elle m'a mis. Par contre là, elle a récupéré toute sa vie. Et voilà, je reviens en arrière encore. Je passe. Merci, c'est gentil. Wow! Non, c'est bon, la flèche, ça va. Voilà. Ça, c'est fait. Ça veut pas. Ça veut pas. Non, elle a pas envie. Si, ça y est. Et non. Bon, je descends. Ah bah tiens. Avec ses lunettes, je peux voir à travers la pierre. Ah, d'accord. Va falloir retourner à l'île Salive. Il y a quelque chose de gravé ici. C'est une sorte de dessin. Je vais en faire un croquis pour ne pas l'oublier. Donc elle est sur elle du papier et du crayon. Vous avez obtenu le croquis de la momie. Un croquis représentant le tiers d'un dessin mystérieux. Oui, mais en fait, j'aimerais voir le tiers de ce croquis. À quoi ça ressemble? Je ne peux pas le savoir pour le moment. Ça m'arrange pas. Oh là! J'aime pas les ponts comme ça, ça va se casser ça. Link. Et je fais comment? Au juste? Je sais pas. Je vais être game over là. Je m'en vais. C'est plus sage. Oh punaise, c'est vrai qu'il y a eux. La 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 la. On m'a pas vu. On m'a pas vu. On m'a pas vu. Là. C'est bon, je suis safe. Je suis pas mort. On retourne en ville, se régène en entier, s'il vous plaît. Je régène et en fait, on va retourner de nouveau à l'île Salive voir cette fameuse momie. Voilà, tout beau, tout propre. Enfin, toute belle, toute propre. Retournons à l'île Salive en espérant ne pas perdre trop de vie au passage. Oui,
pas faire trop de vie. Retourner au statut. Hein. Voilà, et... YOLO. C'est bon, ça passe. Elle m'embête. Elle m'embête. Non. C'est bon. Ouf. C'est bon. Il va sauter ou pas? Oui, mais pas dans le bon sens. Tout le monde va tirer, voilà. C'est fait. Paf, je tombe et maintenant on peut lire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Une sorte de dessin, un croquis, un nouveau croquis de momie. Et du coup, ça m'en fait deux. Non, c'est juste autre chose, d'accord. Très bien. Bon bah demi-tour hein. Demi-tour. On récupère l'argent d'en haut. Il arrive. Mais elle m'enquiquine, les sirènes. Voilà, c'est bon. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait, les statues, on s'en fiche, on descend. Et là, on retourne au bateau. Voilà. Chaque fois je l'oublie lui. Tac. On re-retourne en ville. Regen, save, hein, comme d'hab. Heureusement qu'il n'y a pas vraiment de temps de chargement à l'époque. Mon dieu à l'époque. C'est quand même un jeu typé rétro, les temps de chargement étaient quand même relativement longs. On gagne ce temps-là aujourd'hui, ça c'est chouette.
Retour sur l'île désertique, du nom de l'île Bronzette. Je ne sais pas si ça va vraiment m'aider en vrai. De l'argent, de la viande. Et maintenant, où vais-je ? Bon, elle m'embête. Ça, on l'a lu. Mais là, ça, je comprends pas ça. Comment je passe, moi ? Pas comme ça, du coup. Je me dirige comme ça, je recule comme ça. Si je me dirige comme ça, je recule comme ça. Donc, j'avais pas vu, punaise. T'es aveugle ou quoi? Ça va être tellement difficile. Comment est-ce que je vais faire pour tout clean? Voilà, je me prends la chauve-souris en fait, c'est ça le problème. Bon, il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Très bien. Pas très bien. Faut faire des petits sauts à des moments, très bien. Petit saut, petit saut, petit saut, petit saut. Oh, punaise! Bon, on va aller jusqu'au game over, hein, tant pis. Fonctionne. Punaise, ça fonctionne. C'est comme ça, ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de chauves-souris. Bon. Non, le bateau, il est là. J'aimerais bien au moins faire une zone aujourd'hui, ça serait chouette en vrai. Parce qu'après le désert, il en manque 3. Avec un... Pas de dégâts, qu'est-ce que je prends des dégâts? Nickel, j'aime. On a compris le truc. Mais il y a beaucoup d'ennemis. Ouais, il n'y a pas que des ennemis, il y a des trous aussi. Ah ! Mais pourquoi ? Pourquoi je tombe là ? Pourquoi je tombe juste après le premier poteau ? En courant. Je comprends pas. Au secours, je comprends pas. Comment faire, punaise? Ah, vive les jeux rétro, hein. J'adore, c'est un kiff.
Là, il y a eu un truc. Je sais pas comment j'ai fait, mais il y a eu un truc. Voilà, et là, je tombe. Il y a une histoire de saut, il y a une histoire de pas. Peut-être un nombre de pas. Voilà. Help. Y'a du monde, punaise, y'a du monde. Non. Y'a du mieux, mais y'avait du monde. Comment voulez-vous faire, sérieusement? Alors attendez. Deux secondes. J'ai vu un petit lag. Alors, on retourne au désert pour la énième fois. J'aimerais bien avancer un peu quand même, s'il vous plaît. Et là, au secours. Alors déjà, on va enlever le squelette. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que je saute là, je saute là, je saute là, je saute pas là! Insupportable. C'est pas possible. Il y a un truc que j'ai pas, je pense. Il me manque quelque chose. Je viens de penser à un truc là tout à l'heure quand j'ai attrapé la chauve-souris dans la forêt là. J'ai attrapé la magie noire, je m'en souviens pas. Le pirate chauve-souris, bien sûr, pas. Boule rose là. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a gêné, Chantaille, là-dedans? Qu'est-ce qui t'a gêné, sérieusement? Comment on passe? Il doit y avoir une technique, c'est pas possible. J'en peux plus. Voilà, voilà, je tombe. Allez, attention, le game over. Voilà, game over. Allez, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est offert par la maison. Je vois vraiment pas comment passer, mais pas du tout.
déjà pas de dégâts ici, c'est très bien. Voilà, là je prends des dégâts gratuits, nullité. Voilà, je passe au-dessus. Si je repars là, ça, est-ce que ça m'aide? Non. Attendez. J'amène cette vieille momie à la fille. Le père de Sky. Faut que je reparle à des gens en ville peut-être, en vrai. Même plus. Sky, je crois que c'était le jeune qui gardait les petits zombies à côté du pont. Sinon, pas plus important. Bon, on va essayer de jouer avec ça du coup. Alors, là il y a oiseau. C'est quoi ça? On dirait des Space Invaders. Hippopotame. Crapaud. Là il y a trois crapauds, ça fait rien. Poisson. Oiseau. Space Invader. Hippopotame. Il y en a cinq, c'est ça. Bon, on va partir de l'oiseau. Poisson. Oiseau. Ouais, c'est les mêmes. Hein. On repart de l'oiseau ici, ça sera plus simple. Non, l'oiseau, j'ai dit, punaise. Ouais, oiseau. Alors là, il y a crapaud, là. Poisson. Oiseau. On va faire oiseau plutôt, Space Invaders. Hippopotame. Ça fait rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait rien. 1, 2. Non plus. Bon, c'est pas ça. Au-dessus. On change. Non, en fait, je vais rester sur l'oiseau. Mais c'est pas grave. En y allant comme ça, je finirai par tomber sur la bonne combinaison. De toute façon. Non ! Pas grave. Non, en fait, vraiment, là, le seul passage, c'est les plateformes. Hein, de toute façon. C'est les plateformes nulles, là. Les trucs violettes qui se cassent. Je sais pas comment les gérer du tout. Je veux pas bouger. Oui, yes. Ah, c'est juste une boule à pointe. Ça va pas servir à grand chose au final. Bon, comment on gère ça?
pas comme ça. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Là, vraiment, je sèche, mais de beaucoup. Il y a des plateformes gratuitement, elles tombent comme ça. Je sais pas si c'est un bug. Là, on est d'accord, j'appuie, hop là. Elle se brise un peu. Je reviens, hop, elle se brise un peu. Hop là, il n'y a plus de plateforme. Là, pareil. Tac. Tac. Donc, comment ça se fait que quand j'accélère comme ça, là, je passe à travers la plateforme. C'est pas normal, ça. Moi, c'était, ça a été mal pensé. Et tout à l'heure, j'ai réussi à avancer pas mal. Et là, je n'avance plus du tout. Ça m'embête. Ça m'embête très beaucoup. Donc, je vois pas du tout comment faire. Mais pas du tout. Il y a une technique que j'ai. Bonjour toi. Il y a une technique que j'ai pas. Mais là. Pourtant les jeux de plateforme. Ok, je suis pas très bon, mais j'aime bien ça. Mais là, je sais pas là. C'est la première fois que je suis dans ce cas-là. J'ai l'impression de voir une plateforme invisible comme dans Tintin au Tibet sur. C'est sur Game. Game Boy, c'est sur SNES. Voilà, même la même, c'est tout le temps la même. Attention, le game over. Voilà. Allez. Ah non, j'ai encore le droit à un essai. Un essai, voilà. Allez, game over. Le game over. Passé, pourquoi je suis passé là? Pourquoi je suis passé là? Je sais pas, je n'en ai aucune idée. Juste la même chose. Je ne sais absolument pas. Mais vraiment, là, je sais pas. Je vais finir par chercher une solution là. Bon, je vais jusqu'au game over. Et là il s'est passé un truc. Voilà, game over. C'est fait. Game over par la chauve-souris. Bon. Besoin de solutions internet. Comment je vais appeler ça, moi? Ouais.
je réfléchis où est-ce que je peux trouver une solution. Parce que là, c'est quand même très la galère. Oula. Attends une minute, je me suis fait avoir. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Zut, alors attendez. Faut pas aller en bas ? C'est une blague ? Je cherche. Où est la solution? Là comme ça apparemment ouais en bas ça serait pas top. Et comment traverser dans ce cas Ah les publicités on aime ça. Ah là là. Alors. Oh mais... Bon apparemment faudrait quand même que je revienne en ville. Il y avait une momie en ville ? Je m'en souviens même pas. Je m'en souviens vraiment pas. Non, il n'y avait pas de momie en ville justement. Faut aller là. En gros, c'est une fois qu'il y a une zone qui est terminée, faut penser à reparler quasiment à tout le monde, on ne sait jamais. On fait demi-tour, on retourne en ville. Peut-être que ça va m'aider. En vrai, je sais pas. Mais il y a quand même un truc à faire en ville. Donc, faisons un truc en ville. Non mais oh.
continue de fermer. Hein. Tant qu'à faire. Il y a des améliorations à prendre. On revient ici. Est-ce que je suis prêt à lever l'ancre? Oui. Alors. Chantal, regarde, tu as décidé de te rendre une visite surprise. La mère de Sky, comment vas-tu? Tiens donc. Je suis aux anges. Quand j'ai appris que mon tout petit bébé Boubou Gaga avait trouvé un bel homme, il fallait que je le rencontre. Regardez-moi ce drôle de chapeau. Enchantée, madame, vous avez une sacrée fille. Toi et Joe? Je l'ai trouvé en train d'enlever un de mes nids d'oiseaux et nous avons commencé à discuter autour d'un café. Et, eh bien, le courant est passé. Elle m'a presque cassé le bras à cause de l'oiseau que j'ai touché. D'accord. Et bientôt, on entendra les cloches du mariage retentir et les pleurs d'une ribambelle de petits enfants. Maman! Voilà, poussez-vous les jeunes, le poids lourd arrive. Le père de Sky. Et tiens donc, une momie. Aïe aïe, mon dos. J'espère que je tiendrai assez longtemps pour voir ces deux tourtereaux se marier avant que je passe l'arme à gauche. Oh papa, c'est lui. Monsieur, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Joe? Je détruis des écoles et je transforme en canon à longue portée. Ça me va. Ma fille pourrait faire bien pire. Papa, en plus elle sent comme la grange dans laquelle j'ai été élevé. Attends un peu, regarde-toi ma fille. Tu portais des couches et tu avais des couettes, c'est encore hier. Arrête la crème de Guimauve, ma petite, tu es devenue rondelette comme une perdrix. Oh non, faut pas... Non, sérieux. Chérie, n'embarrasse pas notre petite fille. Elle gonfle juste ses plumes pour attirer un mâle. Je crois que ça marche. Bah, regardez un peu ça. Je vous apporte un véritable artefact d'un monde perdu. Vous pouvez l'utiliser pour donner du style à votre maison. Donnez-lui une touche de culture. Je peux décorer toute seule, merci. Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Faut que je sois plus prêt pour lire, là. Il y a un message écrit dessus. Il y a écrit « Mort à celui qui le lira !» Oh, je me sens pas bien, moi. Ah, bah, il est mort. Papa, qu'est-ce que t'as fait? Corne gidouille, qui aurait cru qu'une si vieille chose serait capable d'un coup pareil? Chantelle. Chantelle? On dirait que ton vieil oncle Mimic avait encore raison. Il lit toujours, les malédictions restent fraîches malgré l'âge. C'est clairement un meilleur chasseur de reliques que moi, de loin. Tu pourrais éviter de parler de ton travail, là? Tu fais toujours ça, papa? Tu veux que je reste célibataire à vie? Ça va, ne t'énerve pas comme ça, ton ami va arranger ça. Chantaïs, oui. Ah là là, encore un petit ami de perdu. Ah bah ça. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avec ces lunettes, je peux voir à travers la pierre, il y a quelque chose de gravé ici. C'est une sorte de dessin. Je vais en faire un croquis pour ne pas l'oublier. Le croquis de la momie, et j'en ai trois maintenant. Maintenant que j'ai un croquis de chacune des trois gravures de la momie, je devrais pouvoir comprendre ce qu'elle représente. Oh! Chaque forme représente un animal. Elles sont disposées de manière très spécifique. Ce qui veut dire que la combinaison de la porte du temple est... Poisson, alligator, oiseau. Voilà. Magnifique. Eh ben on se casse. Et on régène. Tant qu'à faire, on sauvegarde. Je veux pas perdre ça. Poisson, alligator, oiseau. On retient. Thank you.
Argent. Alligator, oiseau. La sauvegarde, oui, bien sûr. Alors, poisson. Alligator. Oiseau. Ouverture de la porte. On va re-sauvegarder, j'ai pas envie de refaire ça. Allez, c'est parti. Temple bronzette, ils sont gentils ou pas? Oui. Princesse, c'est vous! La princesse? Princesse, c'est vous? Oh là là, la princesse! Oh là là, la princesse! Oh là là, la princesse! Par tous les dieux, princesse, c'est vous! C'est à moi que vous parlez? C'est vous! Vous êtes de retour après tout ce temps, écoutez-nous, tous. Notre princesse est de retour parmi nous après tout ce temps. Je pense que tu te trompes de fille. Elle ne se souvient pas. Et pourtant, elle est le portrait tout craché de ce qu'elle était dans le passé. Et la voilà de retour pour nous diriger avec sa sagesse infinie. Princesse, veuillez reprendre votre place sur le trône immédiatement. Vassaux royaux, ornez son Altesse de sa tenue de cérémonie. Assurez-vous qu'elle ne déambule pas pendant que je prépare le couronnement. Oh, zut alors. Oh mon dieu, quelle tenue. Youhou, je suis habillé comme une princesse de l'espace. Est-ce que l'on peut en rediscuter? Y a quelqu'un? Super, ils ont aussi pris mes objets. Si ces gars pensent que je suis leur princesse de retour dans sa tombe, ils ne me laisseront jamais partir. Il doit bien y avoir un moyen de fuir. Je ferais mieux de commencer à chercher. Alors ça, c'est gratuit, ça, par contre. Allez, go, on y va. Punaise, c'était vraiment là qu'il fallait aller? Mais je suis même pas allé à droite. Et s'il y avait un poulpe? Rien. Je suis en bas à droite pour info, voilà. J'ai pas mes armes. Ah. Et je reviens ici, d'accord. Bon, du coup, on va à droite. Bonjour, bonjour. Ah. Bon, on va pas à droite. Comment là? Attendez, je réfléchis. Ah, j'ai trouvé. Il y avait la petite grille ici, je ne l'avais pas vue. Il se retourne. Et attention, là, retournement. Hop là. Ah oui, re en bas. On attend. Ok. Ça change de gameplay, c'est intéressant.
Pourquoi il y a ça là? C'est pour me cacher. D'accord, c'est pour savoir qu'on... Hop là, et là il y a quelque chose. De l'argent. J'ai même plus mon chapeau ni rien quoi. Coffre, une clé. Je suis content. Ah oui, non mais là, par contre. Voilà. Et là, je reprends de loin, je suppose. Oh, je l'ai vu en bas. Punaise. Il y avait une chauve-souris de l'autre côté. Un truc dont j'ai besoin. On continue d'avancer. Mais non! Idiot! Idiot bête. C'est pas grave, on avance tranquillement. On reprend la zone dans l'ombre. Ça a l'air d'être cachot, quelque chose comme ça. On attend. Ok. On attend, ok, ça s'est joué à pas grand chose quand même. Non! Mais non! Gameplay sur 20. C'était intéressant et au final c'est vite lassant. Allez, prudence. Stop. Et là, je me suis pas fait avoir. D'accord. Non, 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 pas dessus. On attend. Okay. Vite. Ici, il devrait y avoir un point de sauvegarde quand même, parce que j'ai pas envie de tout recommencer à chaque fois en fait. Bon, j'ai conservé la clé, c'est pas mal. Et maintenant, là je comprends pas en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici? Comment vous voulez que je passe? Ah, d'accord. Ah, mais il faut le comprendre, ça. Ok. Ok, c'est bon. On attend. Il y a quelqu'un en bas qui va me gêner. Alors, niveau timing, là, c'est tendu, en fait. Maintenant. Ouf. Hop là. Et on se barre. Hop là. Vite, 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 vite. Okay. Punaise, j'ai eu peur. Non, ils peuvent monter aux chaînes. D'où ils peuvent monter aux chaînes? Comme zone, ça. Là, il y a une porte. C'est très très grand. Hop là. La carte.
trop grand même. Ah oui, d'accord. Il y a quelque chose sur la... Ils me font flipper. Il y en avait encore un là-haut. Quelque chose. Bah, peut-être que je revienne en arrière. Et là, il y a une porte. D'accord. Je vais quand même revenir en arrière. Tant pis si je prends des dégâts. Par exemple, là. Ah, mais je suis bête, je peux les taper, c'est vrai. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Il y avait une porte là, ici aussi. Il y avait quelque chose là-bas. Voilà. Et moi je viens. Je ne sais plus. Bon, on va tenter là. Ou pas. Je recommence tout ? C'est punitif hein, quand même. Très punitif. Allez, on y croit. Hop là, je suis caché. Je suis caché. Recaché. Et là, attention à la synchro. Non, là, c'était pas possible. Là non plus. Punaise. Ça va être par là. Maintenant. Et go. On s'en va. Attendez, la porte elle est... Je les vois plus du tout, donc on va patienter je pense, c'est plus intéressant. Plus intelligent plutôt. Voilà, ils sont là, on attend. On va y aller vraiment tranquillement. Hein. On sait jamais. Il ment, dit-il en speedant quoi. Et là il y a quelqu'un. Très bien. Je ne peux pas monter là. Je suis ravi. Je suis obligé de partir. Ah si, il y a une chaîne, pardon. Ah oui. Je prends. Par contre... Ah, encore. Ah, raté, bravo.
joué à pas grand chose. Est-ce que les couleurs correspondent? Je ne sais même pas. Je suis où là en fait? Tiens, dont des piliers que je connais qui m'ont embêté tout à l'heure. Un coffre, je prends. Une autre clé. Ah, d'accord. Très bien. Je prends. Pendant que j'étais figé, il y a l'animation qui continuait, c'était rigolo. Ah, bon, ben, je suis passé. Et là, je reviens ici. D'accord. Là, on la retient. Bah en fait, j'ai envie de dire go à la porte. Il y a un rat. Non, je retombe ici. Non, non. On s'en va, je retombe pas là, non, c'est mort. Bien, je vais te tuer comme ça. Par 100 sur 20, je prends l'argent. C'est pas moi la princesse, mais je dévalise quand même. Mince, non, je suis tombé ce bras. Il y a quand même un carré que j'ai pas de l'autre côté là. C'est celui à droite, tiens. Je n'y ai pas. Il y a un carré en dessous aussi. Et là, je suis encore ailleurs. Ah! Et j'ai plusieurs portes différentes. Oh! Il y avait un passage secret. Et plein de rats. Ah mais la princesse, c'est non. Et là c'est plus trop une princesse là. Je suis en haut hein, tout en haut. Là il y a une clé. Et là, il y a quelqu'un d'autre. Je pense que je vais avoir deux choix à faire. J'ai pas ma lampe. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas ma lampe. J'ai pas ma lampe. Flûte. La princesse. La princesse. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? La princesse, waouh. Et là j'ouvre ça, parfait. Et je reviens ici.
Ouais, mais je veux pas retourner là. Pas du tout. Il y a plein de portes verrouillées. La princesse. J'ai deux clés. Hein. J'ai deux clés, va falloir faire des choix. Et il y a une porte ici. Très bien. Et je reviens en bas. L'angle qui est pas propre là-bas. Il y a un truc là-bas. Ouais, il y a bien un angle en bas à droite. Et en bas à gauche aussi du coup. Un passage, punaise. Donc on va retourner tout à droite, sûrement qu'il y a quelque chose du genre. Mais avant ça... Ah, je l'ai vu là-haut. Je l'ai vu. On l'a tous vu. J'ai un doute maintenant en fait. J'ai un gros doute. J'ai un très très gros doute. Ah, et non, j'étais pas allé là. C'est non. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Ça me rassure pas. Un rat avec... Il y a un passage sur la droite, un passage secret avec des rats. Avec des pics. Ah d'accord. Ça me ramène juste ici. Très bien. Bon, ça va. C'est pas si dangereux que je pensais. Et là, c'est une clé. Ah bah tiens. Ok. Donc là j'ai trois clés. Tac, ouais, trois clés. Plein de portes. Et à un moment donné, j'ai accès à une plus grande salle. Mais je ressors par où alors? Je refais demi-tour, tout simplement. Encore des choses. Sérieux. Bon, ça c'est fait. Il me manque un truc en haut. Non, c'est au-dessus de moi. Ça veut dire... Il n'y a pas au-dessus alors.
peux pas y accéder au-dessus là pour le moment. Je sais plus à quelle porte j'étais, la porte qui m'intéressait, je sais plus où aller. Ah si, c'était celle-là. Il va me falloir sauvegarder à un moment donné par contre, parce que j'ai pas mal d'argent. Et j'aimerais save tout ça. Et il y a un passage au-dessus de moi, sûrement quelque part. Mais où? C'est une bonne question. On verra après. On verra après, peut-être plus tard, je ne sais pas. Je vais aller là, tiens, en premier. Il y a combien de princesses ici? Risky, c'est toi? Je veux que ce soit qui d'autre. J'étais venu te chercher et à la place, j'ai trouvé cet endroit. C'est simple, mon prix pour une princesse à la gomme et m'ont enfermé ici. Moi aussi, je transformerai ces imbéciles en pâté de poisson quand je les attraperai. On perd notre temps, allons-y. D'accord. Il y a combien de princesses? C'est la secte des princesses. Sky, ils t'ont aussi attrapé, mais... Qu'est-ce qu'elle fait ici, Sky? Je suis venu ici pour trouver un remède pour Joe, quelle est ton excuse? Je suis ici avec... Très bien, ne me dis rien, trouvons juste un moyen de sortir de cet asile de fous. Et de mettre de vrais vêtements, non, non, non. Comment suis-je censé marcher avec des... Ah, la fumée, elle est toujours là. Parfait, je pourrais la récupérer. Et là, elle est contente. Rotitops, mais je t'avais laissé sur l'île toile d'araignée. Je ne voulais pas rater ça, je t'ai suivi. Regarde, nous sommes assortis. Maintenant, on peut être toutes les deux des princesses. Roti, on doit sortir d'ici, et vite. D'accord, j'y vais. Mais je regarde ses tenues. Ok. Elle, elle est contente. Et maintenant, je vais où? Il est où le point de rendez-vous maintenant? En vrai. Ah bah elles sont là. Te voilà! Nous devrions pouvoir utiliser cet engin si nous travaillons toutes les quatre ensemble. Nous ne sommes pas assez lourdes, même si la blondinette fait un excellent lest. Et... Pardon! Tu pèses sans doute autant qu'un ballon en plomb, ou deux. Est-ce qu'on peut au moins essayer de travailler ensemble? Je ne travaillerai pas avec elle, mais pour toi, pas de problème. Moi, tu n'es pas la mangeuse de cerveau. Que à toi, elle. Tout ce bruit, c'est pour ça que je travaille seul. Allez, Marine d'eau douce, tirez. Et madame. Ça a marché. Bien sûr que oui, tu abandonnes trop facilement. Si tu veux que quelque chose se plie à ta volonté, tu ferais mieux d'être prête à le casser. Tu es effrayant. Dépêchons-nous, faisons mordre la poussière à ces imbéciles. Nous devrions nous faufiler discrètement. Je veux les distraire avec une danse des éventails. Je vais voir. Oh oh. Princesse, vous êtes enfin arrivée. Regardez, une statue étincelante de votre vaste magnificence. Je viens de voir la statue. C'est censé être moi ? Ouais, mais oui, mais elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Et que... Est-ce que mes yeux me jouent un tour? Princesse, je vois quatre d'entre vous. Mais chacune d'entre elles ressemble parfaitement à cette énorme... Titanesque. Potelée. Corpulente. Et joliment bombée. Cette pesante statue rondelette. Ça suffit, je lui tords le cou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vraie princesse. Princesse, vous êtes ici. Où étiez-vous passé? Ça faisait plus de 30 minutes. 30 minutes. Vous étiez au magasin pendant tout ce temps? Oh gros bêta. 7, je ne peux pas.
Écoutez-moi tous, notre princesse est enfin de retour du magasin. Merci à tous, vraiment vous avez sauvé notre peuple. Pardon pour la confusion, croyez-moi, cela arrive tout le temps. Vous devrez vous rendre vos habits. Bah oui, et vous donner cette pioche dorée pour vous remercier de vos formidables actes. Laisse-nous hors de tes aventures maintenant. Attendez, c'est la partie intéressante où je reçois un objet. Vous avez reçu une pioche dorée. D'accord. Donc maintenant, je peux retourner là. La save, elle est où déjà? Elle est de l'autre côté. On va save de suite. Parfait. Et on y retourne. Il y a un petit peu des choses à récupérer. En fait, vous n'avez rien de princesse. Blabla. Oui, en fait, vous n'êtes pas elle. Tu peux passer. Parfait. Ils vont plus m'embêter. Ah ben, voilà, ça y est, tiens. Oui, en fait, vous n'êtes pas elle. Alors, la fumée. Voilà, ça c'est fait. Et je voulais récupérer un... En fait, j'avais pas trouvé le passage pour le cœur. J'ai pas trouvé le passage. C'est pas grave. On va jeter un œil à la princesse quand même. Oh mon dieu, c'est mal, c'est mais c'est pas bien de dire ça. Je voudrais rencontrer la princesse pour lui parler. Regardez, la princesse est de retour. Tu vois un peu bon sang. Ah non, je peux pas. Y'a rien ici. Ok. Et la carte va pas forcément m'aider. Bon, on sait qu'il y a un cœur quelque part là-dedans. Donc allons-en. On va avancer sur la pioche. Une pioche dorée de la princesse. Je peux la voir. Oui, allez, c'est cadeau. Quel artisanat incroyable. Ce sera réglé aussi vite que l'éclair. Vous avez donné la pioche dorée. Avec ces ruines hors du chemin, je peux voir jusqu'à l'horizon. Mais il y a des gens là-haut. Là. Regarde ces oiseaux verts rondouillards. Ce ne sont pas des oiseaux. Des monstres, cours. Je peux bouger, s'il vous plaît. Ah, merci quand même. Allez, éteins. Génial. C'est le retour. Ah, donc elle craint les cheveux. En fait, allez, on passe. Tac, voilà. Il y a un rat. Ça veut dire qu'il y a un truc. Ou pas. Ah, si, il y a quelque chose. D'accord. Je suis caché en dessous, mais je sais pas à quoi ça sert en fait. Quel est l'intérêt de ça? Je ne sais pas. Je suis en dessous, hein. Je sais pas. Bon, il y avait sûrement quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Hop là, ça passe.
Pas par là non plus. Il. D'accord. Chapeau. J'ai eu peur. Hein. Wow, on se calme. Il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Pardon. Je vais mourir, au secours. Et là, ça c'est pas de la mort, ça. Ça c'est pas de la mort. Ah ça oui, c'est de la mort par contre. Donc on va là-dedans. Et maintenant? Ah bon, quand même. Ah, j'en étais sûr. Il va m'attaquer. Mais j'ai eu peur. Allez, la fumée noire. Rejoins-moi. Voilà. Je crois que c'est le deuxième sur 4 de toute la zone. Et je reviens ici. Très bien. Caillou. D'accord, donc et en plus il traverse. Très bien. Là il y a un passage en bas. Pour le moment j'ai besoin de heal et de save surtout. Le heal en vrai j'en ai sur moi hein. Je pourrais faire quelque chose. Non, ok, alors le heal de suite hein, voilà la boîte à bientôt. Bah. Je peux pas y aller. Ah, je peux rebondir. D'accord, je savais pas. Ah, il lance de l'encre. Très bien. Perdu pas mal de vie. Là il y a un trou. Mais il n'y a pas de tête de mort. Donc je suis posé qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et j'ai plus de pioche donc je peux pas aller là. Aller dans le trou. Hop là. Catacombe perdue avec un beau poulpe en dessous. On va à gauche. D'accord. J'ai envie une save hein, quand même. Ah bah tiens, en parlant de la save, elle est parfaite. Parfait. La carte. Il y a deux choses en haut. Il y a un timer, punaise. Ouais, il y a un timer.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, par contre beaucoup d'argent. Je pense qu'il ouais, il va falloir y aller au pistolet avec ça. Tac. Il y a une autre carte là-haut, on va s'amuser. Hop là. Ah, c'est une clé. D'accord, une clé. Voilà, save. En bas, en faisant gaffe, bien sûr. Ah, eh ben, ok. Donc on remonte maintenant. Continue en bas. Ah bah je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Ou pas. Ou pas? Sérieux? Ok, j'ai rien dit. Ah! D'accord. Ça sera sur, il va falloir jouer sur la gauche et la droite, je pense. Donc là, je suis là, on va aller en haut. Peut-être. Peut-être, j'ai dit. Ok, je vais continuer de monter. Et je reviens ici. Ok. Mais il y a quelque chose là-haut. Ah bah oui. Bah oui, bien sûr, il y a quelque chose là-haut, je suis bête. Donc non, on s'en fiche pour le moment, on verra ça plus tard. Et on va partir sur la droite. Avec le peu de vie qui reste. Oh punaise! Je me rappelle du niveau Mario ça.
Et là, il y a une grande salle. Très bien. Il y a un truc là-haut. Ok. Par contre, je vais mûrir là. Hein. Et je crois que de la dernière save, j'ai pas. J'ai besoin de cœur là en fait. J'ai besoin de cœur, absolument. Ah, mais je peux pas aller en bas. Ça arrive. Hein. Voilà, 4 cœurs. C'est pas mal. Et là, on réfléchit. Le truc, c'est que... Ok, il y a un coffre à droite. Mais... Oh, punaise. Là par contre. Punaise. Là il va falloir faire preuve de dextérité. Mais non! Je pense qu'il y a un truc à faire, mais c'est pas grave. On a la clé, on redescend. C'était. Par là. Je sais plus. Par là? Non, c'était pas par là. Attendez, j'ai un doute. Pardon, donc c'était bien là. Et là on remonte. On va remonter sans prendre trop de dégâts, on espère. Wow! Et là j'ai besoin de la dernière clé ici, mais j'ai pas de... Ça va être un boss et j'ai que deux cœurs.
Ouf, non. Ok, sauvegarde à droite, je prends évidemment. Ah bah une carte, tiens. Quoi? Le cimetière de Risky. Ok. Lorsque vous êtes en l'air, appuyez sur ZL pour briser les blocs. Ah mais je peux pas retourner. Mais quel idiot. Quel idiot. Heureusement que le jeu il est sympa. Allez, la sauvegarde encore et toujours. Qu'est-ce qu'on a ici? Grande salle. Ok, ZL on a dit. Oh punaise, la joie. Non. Il y a va, allez voir. Qui c'est qu'il y a? Et puis t'as pourri. Voilà. Punaise, je fais comment moi maintenant? On va refaire le tour. Et voilà, allez, on refait tout, génial, je suis content là. J'y étais, hein. Insupportable. Ah.
Eh, ça me fait tomber à chaque fois, quoi. Sauf que j'en ai besoin du coffre, vu que j'ai pas de clé. Après, en vrai... Je pourrais remonter et continuer, mais là, il y a un coffre s'il faut, c'est la carte de la prochaine île. Ah, ça y est, je me rebloque. Génial, je suis content. Eh ouais, j'ai pas d'autre choix, hein. Je suis obligé d'avoir le coffre. Chauves-souris vont être revenus, ça c'est sûr. Ah non. Ah ok. Et maintenant je fais comment moi? Est-ce que ça revient à la normale ou pas? Et oui, il revient à la normale au bout d'un moment. J'arrive même pas à aller sur la deuxième plateforme. C'est ça le problème. Il y en a 4. Il y en a 4. Je vais regarder la solution. Tant pis, c'est pas grave. Ah, les pubs. J'adore les pubs. On s'y tire. On en profite. Oh punaise, mais c'est tout simplement ça. Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Ok. T'as une nouvelle compétence, utilise-la, punaise. Mais oui, bien sûr. Tout simplement. Et là, d'un coup, tout est plus simple. Et plus simple. Regardez-moi ça, beaucoup plus simple. Et juste pour le plaisir. J'ai raté. Il y a quand même quelque chose de l'autre côté.
Et d'une, deux, trois, quatre, voilà. Et voilà, bon, je voulais casser ça, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas tant pis. Allez, demi-tour. Le coffre. Attendez. C'était là-haut hein, qu'il y avait le verrou. Ouais, c'est ça. Ok. Tout ça pour ça. Et maintenant, on va à droite. On va pas forcément à droite en vrai. Ouais, c'est maintenant qu'on va à droite. Voilà. J'ai plus beaucoup de vie. Au secours. On va attendre que ça passe. Yes. C'est de l'argent, c'est pas de la vie. Plus vite! Oh là là! Au revoir les gens! Non! C'est pas dans mes plans ça. Oh là là. Heureusement, elle va pas trop loin. Non, 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 non. Et oui, forcément, punaise, un quart de cœur. Mais du coup, je ne sais même plus où est-ce que j'en suis, moi. Ça, ça a été pris. Donc, ouais, c'est bon, j'ai le cimetière. Ouais, ça n'a pas été pris, du coup. Bon, allez, on refait ça, génial. J'ai raté un truc en bas. Salut les chauves-souris. Sauvegarder. On va y arriver à force. Hein. Voilà, ça c'est fait. Il
on va s'amuser. J'ai perdu un demi-cœur, c'est pas grave. Voilà, là, la menthe religieuse, elle pop. Tac, 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 on la mitraille. Et d'une. Et de deux. Bon, ça, j'ai pas trop perdu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, on est sur du Mario, hein. Vite, monsieur Chantoy, punaise. On y croit. On y croit. Une save serait appréciable. Juste après la save, nickel. Je prends, mais d'abord. Voilà, full cœur, enfin full cœur, full régime. Ah bah tiens. Tant qu'à faire, hein. C'est l'heure du boss. Squid Baron, tu es là. Tu parles que je le suis. Pourquoi tes vacances? Je les ai écourtées. Adieu mes rêves, à jamais. Mais tu ne peux pas abandonner tes rêves. Et les étudiantes qui batifolent sur la plage. Et les vieux marins, les troisièmes boutons, déboutonnés. Je pensais que tout ça signifiait quelque chose pour toi. Réponds-moi, dans combien de niveaux tu as voyagé? Qu'est-ce que tu veux dire? À quel point tes poches sont-elles pleines? Environ la moitié, c'est ça? Remplies à moitié? Être boss bouche-trou, c'est mon destin, je m'en rends compte maintenant. Je n'essaierai pas d'y échapper. Tu me fais peur. Moi aussi, je me fais peur. Mais je ne me cacherai pas du destin! Je serai le meilleur boss bouche-trou de tous les temps! Has-been! Attaque recyclée! Tout ça! Amène-toi, ma pote! Allons-y à fond! Oh non! Racaille récurrente, pardon. Punaise. Ah oui, il. Par contre, les gens. Punaise, les gars! Par contre, laisse-moi réagir, s'il te plaît, en fait. Aïe, il fait mal. Et voilà, je prends des dégâts juste en étant sur ça. Il me démonte. Oh punaise. Il me fait très très mal. Thank you.
Il faut tout repasser. Mais il me fait tellement mal. Mais au secours. Il régène, pardon. Je devrais en faire autant en fait. Ah, Squid Baron 2.0. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh merde. C'est quoi ça? Mais il est beaucoup plus rapide. Il fait 0 dégâts. Il fait vraiment 0 dégâts. Punaise. McDo, BK, rien du tout. Ni McDo, ni BK. Ça m'aide. Bah, juste regarde ce qu'il y a dans le frigo, c'est tout. Non, il y a le placard. C'est toi de l'ébli. Prends des dégâts pour rien. Ok. Les cas c'est meilleur mais c'est plus cher. Plus cher, je suis pas sûr. Ok. Mais arrête de me faire des dégâts.
Là, mais nullité, mais stop, 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 stop. Voilà, là je prends tout. Voilà, j'ai perdu. J'ai perdu. Il est tellement proche du mur. Oh non, c'est bon. Désolé, mais vous m'avez poussé à me battre. Mais... Quoi? Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Tu... étais... superbe! Hein? Quelle raclée, c'est tout ce dont j'avais besoin pour réveiller mon esprit combatif. Je suis un excellent boss bouche-trou aujourd'hui et je pourrais être encore meilleur demain. Mon dieu, on va le retrouver, j'ai peur. Imagine, je pourrais me repeindre en bleu et faire aussi ma version en classe. Il est à fond. Je crois que c'est mon perso préféré du jeu. Je pourrais créer un clone d'ombre et permuter entre les deux corps. Je pourrais réapparaître à la fin de l'aventure quand il faut affronter les boss une seconde fois. Je pourrais peut-être apparaître comme un simple méchant plus tard, tu sais, pour donner l'impression d'être vraiment, vraiment puissant. Je suis plein de potentiel. C'est seulement le premier chapitre du premier tome de l'encyclopédie qui est ma vie. Ça t'a aidé que je te frappe? Jeune guerrière aux cheveux violets, tu es ma muse. Sniff, je dois partir. Prends ça. Vous avez obtenu la carte de l'île marécageuse. On va le retrouver. Tu es la meilleure. Beau garçon manqué. Adieu. A plus. J'adore ce personnage. Sky est probablement déjà rentré à Sekinland et je ne vois Roti Tops nulle part. Bon, je vais retourner au quai. Eh bien, va falloir faire demi-tour. Par contre, une sauvegarde est appréciable. Ouais. Sauvegarde appréciable. Parce que là, si je game over sur quelque chose comme ça, là je recommence le boss. Moi j'ai perdu un quart de cœur là, pardon. Nous ouais, on se casse. Et voilà, et là je fais comment? Punaise. Voilà, ça c'est fait. Oh, ça fonctionne. Ah, attendez. Non, mais je veux pas mourir. Voilà, cœur. Et cœur. Bien. Ça c'est fait. Maintenant qu'il y a quelque chose là. Allez, Laura. J'ai eu peur là. Il est où le bateau là? Il est encore loin? Non, ça va.
Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Bien sûr, fallait en rajouter, oui. Mais je fais comment là? Bon, il y a un truc derrière. Non, mais idiot! Concentration, hein. Concentration. Il y a la save juste à gauche. Voilà. Ensuite. Le passage en bas, on va laisser tomber. Avant, c'est ça? Ouais, c'est là-dedans, là. Mais lui, je sais pas d'où il sortait, hein. Mais il est là. Il y en a partout des comme ça ici. On se casse. Je suis de retour. Si t'as fini de perdre notre temps, on pourra peut-être se remettre au travail. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Sky et Rotitops? On va dire que je leur ai montré la sortie. Hein? Calme-toi, elles vont bien. Est-ce que tu as trouvé le repère du mal? Ouais. Et tu as détruit le mal qui y résidait? Plus ou moins. Je vois que tu as réussi à trouver mon épée. Si seulement je l'avais eue plus tôt, j'aurais étripé une certaine chef incompétente. Waouh! Tu es pas terrible comme pirate. Jetons un œil à la carte. Vous avez donné la carte marécage. Île marécageuse et 6 blobs, enfin 6 poulpes et 3 pirates. Et ici j'ai... Alors il y a un pirate, je vois où il est. J'ai eu 0 poulpe. Sérieux? D'accord. Étonnant. Il en restera... Ouais, il en restera des choses encore. Mais pour le moment, on va aller là-dedans. J'ai quoi faire? Me régène, acheter des compétences, tout ça. Et à l'île marécageuse, on n'a pas eu l'épée... En fait, j'y pense là. L'épée du musclore. On l'a pas trouvé. J'ai pas eu de. Ouais. Bon, compétence.
L'après shampoing. Voilà, donc j'ai eu... Ah, j'allais dire j'ai eu pas mal de choses, mais en fait il reste le polissage du cimetière. Ah, il me manque 6 pour l'avoir, sérieux. Bon, on va aller les chercher les 6. Hein. Mais avant ça, rendons visite au sultan qui va encore nous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font là eux? Skye n'est pas très heureuse de tout ce qui arrive à Duo, alors j'ai jeté la vieille momie à la poubelle. Ne le dis pas mon mari. Si tu trouves des vieux artefacts à porter à l'atelier de ton nom. Et l'atelier il est là. Ah bah tiens. Bah j'ai repris mon petit boulot sans avenir chez ton oncle. Bolo. Mais c'est vrai, personne n'a besoin de moi. Il n'y a jamais assez de travail héroïque si tu permets que je le dise. J'ai raté toutes les occasions qui se sont présentées. En plus Skye dit que j'ai manqué une espèce d'aventure. Il paraît même que Risky Roots, Boot, était dedans. Oh Bolo, tu n'as rien compris, c'était vraiment juste une sorte d'aventure de fille. Il faisait vraiment chaud. On a tout été attrapés. On a dû porter ces petits maillots de bain en métal. Laisse-moi tranquille. Elle est méchante. Peut-être que je devrais réessayer de construire un moteur à vapeur. Ok. Il y a les gamins là. Quand je serai grand, je serai chasseur de reliques. Okay, si tu veux. Tu te souviens quand la ville a été construite? Skuttleton était situé sur la petite baie, celle où tu vis. Puis elle s'est agrandie, nous avons dû la détruire pour la reconstruire. Maintenant, ton phare est tout ce qu'il en reste. Je mangeais 3 queues de homard à chaque repas. Cette époque me manque tellement. Tu en as pour moi? Oui. Tu n'as pas cette queue de homard. Mince, les queues de homard. Il en veut 3. J'en ai que 2. Et plus tard, il va me demander les boîtes à bientôt. Là-haut. Avant la save, allons là-haut. Promets-moi que l'on ne parlera plus jamais de ces tenues de princesse du désert embarrassantes. Promis. Tu veux dire celle-ci? Elle s'est changée en 2 secondes quand même. Bonjour l'oiseau. Il manque 6 cailloux et après il faudra penser à sauvegarder. Mmh. 5. Oh, une queue de homard. Il avait dit 3 queues d'homard, donc en gros il m'en manquerait qu'une. On va voir si ça donne une queue d'homard là-dedans. On va faire le tour des épouvantails et on fera demi. Okay.
pas de coup de main. Lui, on n'arrive toujours pas à l'avoir. Ah non, une boîte à bain. Et demi-tour. Un flambeau de pirate. C'est pas ce que je cherche en fait. Retournons aux épouvantails. Une boule à pointe. Ça m'embête quand même. Il m'en manque une seule. J'aimerais bien couper du sultan. Il ne loupe plus grand chose là. Ah, une queue de homard, parfait, on se casse. On achète l'amélioration du cimetière. Voilà. Et on est au max pour le moment. Le reste, on s'en fiche. Augmente ta force d'attaque au maximum. Achète en masse et économise. Mais ça, je sais pas si c'est temporaire ou pas. C'est ça le truc. En vrai, on va essayer. Je me mets dehors là. On va voir. Utilisez-en pour augmenter. Ah, temporairement. D'accord. Et là,
Fingergy augmentera votre attaque pour une durée limitée. Ok, bon, j'ai la réponse. Ok, c'est temporaire. Bon, retournons voir le sultan vite fait. On l'a déjà lu. 100 gemmes. Merci beaucoup, c'est gentil. Et maintenant, il veut quoi? Ah non, il veut toujours la même chose, je suis bête, oui. C'est jusqu'à la prochaine aventure. Et bien écoutez, on régène et on save, tout simplement. Bien, la prochaine fois on ira voir l'île marécageuse. Je m'arrête là, je pensais faire une autre zone aujourd'hui, mais entre les soucis techniques, le retard et tout, voilà, je m'arrête là et du coup il y aura d'autres choses, d'autres streams sur Shantae. Il reste 3 zones, on ira faire ça tranquillement. Passez un agréable week-end, une bonne fin de samedi. Prochain stream la semaine prochaine, le planning n'est pas encore fait, on va le faire, donc tenez-vous au courant de tout ça. Rejoignez le Discord si c'est pas fait, followez, c'est très français, la chaîne Twitch si c'est pas fait non plus, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous, cordialement, bisous.